Bonsoir à tous, petite intro rapide avant la vidéo. Donc c'est une vidéo détente de 1 heure, donc je vous souhaite bon courage. Avec mon ami Picadank. Donc hélas, il devait record aussi de son côté, mais malheureusement ce record a complètement planté. Du coup, ben, vous aurez que mon point de vue. Si vous connaissez pas Picatank, c'est un youtubeur qui fait du Borderlands, bien sûr. Sa chaîne est dans la description, je vous invite à aller le voir, il fait du très bon boulot. Et puis voilà. Donc il se peut aussi que dans la vidéo, vous me trouvez un peu, comment vous dire, un peu calme, j'ai fait pas mal de blanc. Tout simplement parce que j'étais avec mon fils et il fallait que je le surveille en même temps que je jouais et que je recorde. Donc c'est pas facile tout le temps de faire les trois en même temps, sachant que les hommes savent pas faire deux choses à la fois, imaginez trois choses. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo détente vous fera plaisir. Et puis bah, bonne vidéo, peace. Sacro de Falhadou, les chasseuses et chasseurs de l'Arche. Arrête de rire. Je suis aujourd'hui avec une légende de Borderlands. Et une de mes références dans le monde de Borderlands. Si, tu es une légende à mes yeux. Je suis avec ce cher Fujiwaha. Il est là. Falhadou. Non, c'est Sacro de Falhadou, on dit. Regardez. Je sais pas le dire, j'arriverai jamais à le dire. Regardez-le, cette magnifique sirène avec sa tête. Couleur à la chaîne. Oh, c'est trop choupi. Donc je suis avec Fuji, je suis très content de pouvoir enfin faire cette petite collab avec lui. On a plein de trucs qu'on pourra vous proposer ultérieurement, mais aujourd'hui on avait envie de se faire le Massacrateur 3000 en duo. Que je n'ai jamais fait en fait, au final. Voilà. Je crois que je l'avais déjà fait. Mais dépucelage pour lui. Alors si un jour il sort sa vidéo best-of avec les trucs et tout, vous verrez que mon neveu, on s'est tapé un fou rire monumental sur cette map. Si un jour tu sors ton... Oui, si un jour je sors. En tout cas, voilà. Bah, Fuji, je suis très heureux d'être avec toi. Bonjour C'est avec plaisir. Le petit bout de chou derrière. Joueur manquant. Ah. Et voilà. Oui, vous l'avez entendu. Oui. Et voilà, donc bonjour à toi, Fuji. Bonjour. Et merci de m'accueillir. Bijour. Donc on est entre deux sirènes, donc on est en Chaos 4. J'espère que je vais pas me faire défoncer parce que je suis de merde. Bon, un peu moins merdique, mais... C'est l'heure de faire chier tout le monde, Mahmoudine. Ça va d'aller. Ça va d'aller. Ça peut pas être plus compliqué que... Que le Red que... Ouais, voilà. Bon, déjà, si je tire à côté avec... voilà. Bon, j'espère que je vais pas avoir trop de problèmes au niveau de la vidéo et que ça va être fluide. Mais oui, t'inquiète pas. Et confiance. J'ai confiance en mon PC. Yeah, ça marche bien avec l'Electric Banjo. Bah en plus, moi j'ai un... Comment ça s'appelle? Moi en plus, j'ai le Brainstormer, donc... Une arme que j'aime pas trop, d'ailleurs. Oh ouais, putain, en plus j'ai un Cryostone Commander Planetoid. Donc non seulement je fais des dégâts élémentaux au corps à corps, mais en plus, je peux geler les ennemis, donc c'est génial. C'est le chien, boum, comme on dit chez nous. Mais attends-moi, Hmoul. Ah, moi je t'attends, moi je tire juste une petite balle, par-ci, par-là. Mais... Bon, par contre, les Electric Banjo, elle fait pas le... Ah, j'allais dire. Comme vous pouvez le voir, ça fait du gros café, quand même. Cette petite compo. Je vous montre la que j'utilise à la fin. Faudrait que je bosse sur un prochain build, moi. Pour changer un peu de gameplay de temps en temps. Parce que toujours faire le mode TGV... Le TGV. J'ai joué un peu avec le... Quoi déjà? Le Lucky 7. Rapide ça. On fait le café. C'est magnifique. Désolé, il y a des petits ralentissements d'image. J'espère que ça, sur le rendu, ça va pas faire... Putain, je t'ai pris pour un ennemi. Bah... J'espère que ça va pas... Ça va aller. Tu avais des questions à poser, il me semblait, non? Oui, j'en profite, donc. Bah, écoute... Attends, parce vu que c'est pas trop... Attends, il me faut chier, là. Il y en a un qui est décollé dans l'autre cieux. Ouais. Ils volent ou quoi les mecs? Ils sont en haut? J'ai une cible pour toi! J'ai eu des points. Ah! Ouais, ça va aller, t'inquiète.
Regardons. Ah. 300% de 300% de dégâts roïdes en plus. Voilà. Oui, j'en voulais en profiter. Donc, j'aime bien faire des. Enfin, la manière de Squall, quand on avait fait notre vidéo ensemble, il m'avait fait une petite interview. Je me suis dit, on va en profiter. Parce qu'il y a peut-être des gens parmi mes abonnés, et je sais qu'il y en a, qui j'en avais parlé, qui ne te connaissent pas. Honte à eux. Oh. Ah, on peut pas être connu par tout le monde, hein. Oui. Bien entendu. Je cherche pas non plus à être connu dans le monde entier. Non, non, mais bon, après voilà, c'est toujours ça. Et... Qu'est-ce qu'il y a? Bah, ils ont disparu. Ah. Du coup, ma première question... Bon, je vais essayer de faire le café tout en posant la question, c'est... Comment as-tu découvert Borderlands? Alors, pour te répondre à ta question, ça va partir peut-être en anecdote, hein, je te le dis, mais... Bah vas-y, on est là pour ça, mon gars. C'était quand j'étais en BTS, tout à fait. Ouais. Je jouais à quoi? Je jouais à Skyrim, j'avais découvert Skyrim. Skyrim, donc tout le monde connaît, j'espère, quand même, Skyrim. Bon, évidemment, quand même. Je connaissais pas trop les RPG à ce temps-là, tu vois. Et y a un mec qui était avec moi en BTS, il me fait « Ah, t'aimes bien les RPG ?» Moi j'en connais un, RPG First Person, avec des flingues et tout. Je fais « Ouais, yeah. C'est quoi le titre ?» Elle me fait « Bah c'est Borderlands ah. !» c'était à l'époque du premier, c'était le premier, il était seulement le... Voilà. Du coup je dis « Oh, je connais pas. » Du coup j'étais voir le soir même sur internet. Je me suis commandé le petit Borderlands édition de l'année là, ouais. Sur Amazon, et puis bah, j'ai reçu, puis bah... Voilà, comment j'ai découvert Borderlands. J'ai kiffé le 1, j'ai kiffé surtout les DLC. Le DLC d'Halloween, j'ai vraiment aimé. Ouais. Et puis bah voilà, on a précommandé le 2. Dès que le 2 est arrivé, je l'ai saigné comme un cochon. Puis au fur et du temps, bah voilà. J'ai pris passion pour Borderlands. Grâce à ce petit Florian, je vais pas dire son nom de famille, mais Florian. Si un jour tu regardes. Qu'est-ce que t'as dit, Florian? Voilà. Dédicace à Florian. Tout simplement. Voilà. Comme quoi, hein. Mais ouais, je connaissais pas du tout quand... Pourtant, ça faisait un moment qu'il sortit, il était sorti, hein, Borderlands 1. Quand même, on en a parlé, hein. Parce que c'était déjà les éditions de l'année, donc... Ah ouais, quand même. Mais ouais, je connaissais pas du tout. Ok. J'étais plus... Dans cette période-là, j'étais plutôt... Une Real Tournament, Quake 3, Call of Duty 4, voilà. Je faisais de la compète là-dessus, quoi. Mais t'as bien raison. J'étais pas du tout, j'étais pas du tout dans le mode RPG. Voilà. Alright. Voilà. Sympathique tout ça. Et donc c'était en quelle année exactement que t'as commencé Borderlands? Oh là, attends. Faisons un calcul. Ça fait 3 ans que je bosse dans ma boîte actuelle. J'ai fait un an de bon, on va dire 6 ans. Ok. Bah, à la sortie du 2, en fait, quand j'ai commencé à jouer, il y a le 2 qui était annoncé, il sortait en octobre, je crois, ou novembre, le 2. 7 ans, alors, parce qu'il est sorti en octobre 2012. Donc, il allait sortir, quoi. Je l'ai même reçu en retard. Attends. À cause des grèves, à ce temps-là, Amazon. Sérieux, déjà, il y avait des grèves? Ouais, il y a toujours eu des grèves, de toute façon. Les gens sortent toujours, quoi. Voilà. Alright. Donc j'ai fait le tour. Je suis concentré en même temps, c'est pour ça. Ouais, je comprends, t'inquiète pas. Mais ouais, je crois que j'ai dit c'est comment j'ai découvert. Ouais, c'est comme ça, tout simplement. Ok. Alors, veux-tu qu'on passe une interview croisée et que tu me poses aussi une question? Tu veux que je te pose d'autres questions? Oula, moi j'ai pas du tout de questions prêtes. Hein, donc si je te pose des questions, ça sera... Et toi? D'accord, bah vas-y, on peut aussi, parce que c'est vrai que j'ai jamais raconté ça. Bah voilà. Donc, on va faire comme ça. Moi, c'était au printemps 2013. C'est mignon. Non, ils sont tous morts, attends. Je vais me le faire, lui, c'est bon. Merci d'être venu. Arrête de bouger, toi. Mais arrête de bouger! C'était au printemps 2013. J'étais parti à Necromania parce que j'avais envie de m'acheter un nouveau jeu. Eux, ils m'ont saoulé, eux, là. Voilà. Et
Bah, je regardais comme ça, et puis j'ai... Je vois ce jeu-là, et puis j'en avais déjà entendu parler un petit peu avant. Je me dis, tiens, vas-y, pourquoi pas essayer. Il était à 30€. Merci, les amis. Le 1, le 2... Le 2, pardon, c'était le 2. Le 2. C'était le 2. Et j'avais hésité à le prendre déjà quelques temps avant, parce que... Et je me dis, bon, vas-y, je vais le prendre. Et puis c'est souvent, à l'époque, c'était souvent comme ça avec la plupart des jeux que j'achetais, j'y jouais pas. C'était ma période où j'étais oui, on a fini. On va attendre la fin de la question pour lancer la suite comme ça. Et donc, ouais, du coup, t'étais du genre que t'achetais plein de jeux, puis t'y jouais pas, un peu pas comme moi, tu jouais une heure dessus, puis tu le rangeais. Et puis voilà, enfin, j'en achetais pas une tonne non plus, mais. Et voilà, et donc celui-là, je l'ai vu, bon, voilà. Je suis rentré à la maison. Je l'ai laissé une semaine dans le blister. Il était à côté de la Play. Donc, j'étais à l'époque, j'étais jeune, con, et puis je jouais à Call of Duty Black Ops 2, qui est un jeu absolument, absolument horrible, qui est un Call of Duty absolument dégueulasse. Désolé pour ceux qui adorent Call of Duty. Je me suis arrêté à Black Ops 1, bon. Après j'ai arrêté. Donc, t'as bien fait. Mais voilà, bon, je sais pas comment j'ai fait pour jouer à l'époque. Et puis un soir, je dis aux copains, je fais bon bah je vais soir un autre jeu. Et puis je lance Borderlands 2. Puis ça a été le coup de foudre. Le coup de foudre. Littéralement, ça a vraiment été le coup de foudre. Et depuis, bah voilà, c'est une histoire d'amour qui dure depuis 7 ans. Quoi. Et voilà quoi. Aucun regret. Vraiment aucun regret. On est à plus de 3500 heures de jeu désormais, il me semble, un peu comme ça. Ouais, moi je suis un peu moins quand même. Hein. Ah, moi c'est ma vie. C'est ma vie, moi. Les gens qui me connaissent bien, ils savent très bien que c'est pas mon numéro 1 en jeu vidéo. Moi, c'est mon numéro 1 de très loin et ça restera le numéro 1. On y va pour le. Boom de 2. Encore de la mort et on va défoncer tout le monde. Y'a du monde là, y'a du monde qui arrive. Mec, ils viennent, on va les défoncer, mon gars, t'inquiète pas. Elles sont chiants avec leurs boucliers parce que des fois ils encaissent mes balles de récursion. Ah. Donc, écoute, moi je vais rester au face puncher parce que franchement, ça fait le café. Oh oh oh, qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu t'es pris un tonneau dans la poire, je crois. Ça va d'aller. Réaction en chaîne magnifique. C'est bon ça. Oh, tu dis ça devant moi comme ça, toi. Le mec. Oh, ça fait tellement bien, comme elle dit. Ah, j'ai oublié de mettre mon. Désolé pour les gens, j'ai oublié de mettre mon Discord en occupé. Ah. Du coup, vous allez entendre des trucs, vous allez ouvrir votre Discord parce que vous allez dire « Ah, on me parle », mais en fait, non, pas du tout. C'est juste Fuji qui est encore foiré et qui a oublié de mettre son Discord en occupé. Comme la plupart du temps. La récursion, pareil, qu'est-ce qu'elle est fumée, cette arme? Alors, ma deuxième question, Fuji, Waha... J'écoute! Qu'est-ce qui te plaît dans la franchise en général? Qu'est-ce qui t'a plu dans Borderlands? Qu'est-ce qui a fait que tu aimes ce jeu? Alors, il faut que les gens se mettent que je suis un gros farmer, j'adore farm. J'ai joué, ça fait 12 ans que je joue à un jeu et j'y joue encore, c'est Dofus. Et Dofus, le but c'est de farmer pour améliorer son équipement. Et bah, c'est vraiment ça qui m'a plu dans Borderlands. C'est pour ça que j'ai un peu moins accroché d'ailleurs après Sequel, parce que je trouve qu'il y avait un peu moins de farm que le 2. Après, j'adore tout ce qui est artistique, donc tout ce qui est tout ce cel shading, un peu dessin animé et tout, c'est un style graphisme que j'adore. Légendaire. Ouais, j'ai vu. Du coup, ben ça, plus le fait qu'on peut farmer comme des cochons sur ce jeu... Eh ben, ça a fait le café, et puis ça m'a grave plu. Voilà, tout simplement. L'histoire elle-même, ça reste bateau, hein, c'est pas non plus... Ouais. C'est pas le scénario qui m'a fait adorer le jeu, c'est vraiment le système de farm.
D'accord. Voilà. Voilà. Ok. Voilà. S'il y a des trucs qui me reviennent par-ci, par-là, je... Oui, bien évidemment. Je ferai le point, mais là, voilà. Pour l'instant, c'est vraiment ça, le style graphisme, et puis... Et puis le système de farm. Vraiment, ouais, après c'est quel, j'ai bien aimé le jeu, mais je trouve que la broyeuse, elle a cassé tout le charme du système de loot. Là, ça balance trop, est-ce que je pourrais reprocher au système de loot sur Balance 3, c'est le World Drop, qui est un peu trop présent. Voilà. Bah, c'est vrai que même malgré les... Ah, putain. Ça va aller. Malgré les dedicated pools qui ont été mis en place, c'est vrai que le toit de World Drop reste quand même énorme. On drop trop facilement en fait, c'est ça le truc que je trouve. Moi, ce qui me saoule, c'est que tu vas farmer un mob pour tel truc et en fait tu chopes tous les World Drop au monde qui existent sauf ce que tu cherches. Et ça, c'est. D'ailleurs. Ça fait chier, ça. Petite anecdote pour la dernière vidéo que j'ai sortie. J'ai fait, franchement, sans mentir, le bunker, parce que j'ai fait une vidéo détente sur Balance 2. Le bunker, j'ai dû le farm au moins 500 fois, j'ai jamais looté le chem. Hier, je lance comme ça, la random, boum. Franchement, j'ai halluciné. Ah, mais sur Balance 2, pour choper un truc, c'était toujours la croix à la bannière. Ouais, mais justement, c'est ça qui me plaisait, moi. C'est comme sur Dofus, à l'époque où tu devais farm 200 donjons pour dropper un Dofus, ça c'est vraiment ça qui... Quand tu droppais, t'avais la trique, tu vois. Alors que là, tu droppes ton légendaire, tu fais « Ouais, enfin, il est pas trop tôt !» Bah, moi j'ai quand même la trique, parce qu'à chaque fois, vu que c'est des versions très précises que je cherche et que je les ai pas, bah du coup, je suis hyper content quand j'arrive à les avoir. C'est sûr. Mais bon, après, voilà. Voilà. Putain, c'est ouf, les digards en Chaos 4 que j'arrive à mettre, putain. La violence. Oh. Toi, tu vas pas le soigner longtemps, mon gars. Il est en bas, l'autre. Ah, un mail. Ça sent un petit commentaire. Ils sont où? Ils s'amusent à tourner autour des margalos, ces enfoirés. Voilà. Ah. Il y a combien de manches? 4? 5? Yeah! Du coup, la question. And you? Ce qui m'a plu, l'univers, tout simplement. Vraiment. J'ai accroché à l'univers, je me suis attaché à l'histoire et tout. Bon, faut dire qu'avec le Bojack, ouais, c'est hyper facile d'accrocher. Mais ouais, après c'est vraiment un tout en fait. Je sais pas que c'est pas du tout mon style de jeu les MMO PS. Je suis très très FPS, mais pas du tout MMO. Ouais. Et donc du coup c'est vraiment un adage de plein de trucs, c'est le côté FPS que j'aime bien quand même. Ah moi j'aime bien les jeux de rôle, mais les vrais jeux de rôle genre fantasy, enfin vrai RPG quoi. Et là moi, tu vois ça, moi pas trop, bon, ça, les jeux de rôle, c'est pas trop mon dada. Et donc du coup voilà, enfin il s'est pas... J'ai eu un vrai coup de foudre. Plus je montais de niveau, plus j'avais envie de découvrir la suite et tout, tu vois. Fin... Putain, j'ai plus beaucoup de munitions de fusil à pompe. Il devrait faire un système qu'on peut looter des munitions pour nos copains. Copains. Là, il y a encore des caisses, là, si tu veux. Oh, t'inquiète, hein, Hop. Je pensais qu'on allait avoir des robots Hyperion aussi, moi. Maliwan plutôt. Non. Parce que le boss, c'est les gros robots, là, les Transformers. Ah bah là, on est chez Maliwah, hein. Il me semble que c'est une base de Maliwah, en fait, ici. Me semble.
Le boss, il me semble que c'est merde. Comment il s'appelle dans Transformers, là, le... le gros robot. Je ne sais même plus. Oh, ce café. En plus, comme le délai du Brawler Ward, il est bien élevé, j'ai bien le temps d'aligner les ennemis avec plus 300% de dégâts. Oh, j'étais bloqué dans un escalier. Pou, 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 pou. Et hop, on n'en parle plus. Ils sont où les... Ah, ils sont en dessous. Pardon. Ils sont en dessous avec toi. Attendez, attends, attends, regarde, je te donne un coup de main. Hop, boum, 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 boum. Et pourtant, j'utilise pas trop mon... mon spiritual driver, tu vois, ici. Et je fais le café. Ah. Quand même. Ouh, je vais tomber. Je tombe. Mais bon, comme je suis un survivor... Ah. Il y a un... Il y a un petit méchant. J'ai plus de mun. Brutal. Ça va, j'en ai corps. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Ah, c'est un électrique. Donc hop. Boum. Round de fini. Pile poil, c'est parfait. 4 rounds, c'est ça qu'il y a. Qui dit fin de round dit prochaine question. Quel est... Tout à fait. Parmi... tous les chasseurs de l'arche, tous les chasseurs de l'arche confondus, hein. Quel est ton personnage préféré, tout Borderlands Tout le monde connaît déjà la réponse. Tout le monde déjà connaît la réponse. Pas mes abonnés. C'est bien évidemment Maya. D'accord, je ne sais, je ne le... Enfin, je... C'est... Ça m'a troué le cul quand... Spoiler alert quand... Attention, Troy, spoiler tué, alert. J'étais vraiment dégoûté, mais alors vraiment dégoûté. Ah ouais. Je pensais qu'elle allait mourir un peu plus loin. Je me doutais qu'elle allait mourir, hein, tu vois. Mais je pensais pas aussitôt. D'accord. Puis on va pas se mentir qu'elle meurt un peu comme une teubée. J'aurais aimé une mort un peu plus badass. Pour Maya. Non, non, vraiment, c'est Maya que j'affectionne le plus. Lilith, je l'aimais bien, mais voilà, je faisais un peu trop sa chef. Ah. Bah, toujours en mode spoiler. Hein, désolé hein, pour ceux qui savaient pas, mais bon, en même temps, voilà quoi. Le jeu est sorti depuis un moment et il serait temps de vous mettre à la page. Hein. Je vais réveiller un petit peu, les gars. Merde. Penses-tu que Maya, que Lilith est réellement morte? Moi, je pense qu'ils nous ont fait croire ça pour nous pondre un putain de DLC, le retour de Lilith. Moi, je pense aussi qu'elle va revenir. Après, elle s'est bien sacrifiée quand même, donc ce serait une belle mort. Mais moi, j'y crois pas une seule seconde. Moi, je pense pas qu'elle est morte non plus. Maya, bon, elle, c'est sûr, hein, elle est... Merde, je sais plus c'est quoi l'expression. L'air sec est comme une dolle gaillette. Mais non, ouais, Lilith, ouais, je pense qu'elle va... Elle va pas tarder à revenir. Il est relou, lui. Ah bon? Il y en a plus. Alors, je suis très... Après, en deuxième position, après Maya, je te dirai... Qu'est-ce que je pourrais mettre? Non, Maya reste la meilleure. Pendant le pré-séquel, j'ai pas trop aimé les personnages déjà. Les quatre, j'ai pas... À part Clappy, mais bon, Clappy, c'est autre chose. Là, j'ai lancé ma phase. Oula. And you.
Alors non, mon personnage préféré ever, c'est Axton. Ah, tu vois, Axton, j'ai pas trop aimé. C'est le personnage que j'ai le plus saigné. J'ai quasiment... J'ai plus de 30 jours de jeu avec lui sur Borderlands 2. Ah oui, quand même. Ah ouais, non, je l'ai... Non, Axton, j'ai pas trop joué. J'ai jamais trop aimé les commandos. Même Roland dans le 1... Dans le 3, c'était qui? C'était Willem, hein, le commando. Enfin, entre guillemets. Ouais. En deuxième position, je mettrais... Je mets qui en deuxième position? Ah, ils sont en bas. Je mettrais Gage, parce que j'ai adoré la conception. Ah oui, j'y pensais plus à cette petite Gage. La conception de ce personnage est juste... c'est génial, quoi. J'y pensais plus à cette petite Gage, c'était mon deuxième personnage sur Borderlands 2. Tu vas mourir, oui. Oh, merde alors. J'ai eu. Ah, ok, merci. Ah, mais je suis en plein milieu des arcs électriques, en fait. Je vais faire one shot à chaque fois. Help! Au revoir. Je sais pas, en fait, l'ennemi a disparu d'un coup devant moi et... Il a dû être envolé dans les airs avec... Il s'est fait vaporiser. Bon, écoutez, je... Pour rappel, hein, je suis sur PC, j'ai pas encore tout en mode optimal. Donc voilà. En plus, on a un invité qui s'est greffé au... Ah oui, j'avais pas vu. Bah, hello Belludir, si tu te reconnais dans la vidéo. Ouais. C'est à cause de lui que j'ai perdu, putain de merde. On a l'autre du légendaire. Tu es à l'autre du légendaire. Du coup, bah, on peut... vu que tu... Si t'as encore des questions, tu peux en profiter, du coup. Oui. Je loot un lob si jamais ça t'intéresse. Non merci. C'est le pire fusil à pompe du jeu, mon gars. Question suivante. Quel a été ton DLC préféré de toute la franchise? Toute la franchise? Ouais. Alors si c'est toute la franchise, sans hésiter. La forteresse maudite de... Bah, le DLC Tintinas. Ah. C'était pour moi le meilleur DLC de tous les Borderlands, pour l'instant. Parce qu'on ne sait pas ce que nous réserve Borderlands 3. Pour l'instant, moi, je trouve que c'est un petit peu en deçà du potentiel du jeu. Le premier DLC de Borderlands 3. Mais bon, on y croit pour la suite. Moi j'y crois. Mais ouais, la forteresse maudite de Tiny, c'était... C'était ouf, c'était une aventure. C'était mon tout premier let's play que j'ai fait d'ailleurs. Quand j'ai commencé les vidéos sur Border. Sur le 1, mon préféré c'était Halloween. Comment ça s'appelle, ouais. Docteur... Oui, les zombies du docteur Ned. Ouais, voilà. Il y avait même un bug à la fin. Bah moi, j'avais un bug sur console et j'ai jamais su le finir. En fait, à un moment, t'as un Frankenstein. Faut que tu le tues. Oui. Et je faisais plus de dégâts. Sa vie, elle faisait que se régénérer. J'arrivais jamais à le tuer. Bizarre. Du coup, j'étais bloqué là. J'avais ce bug. Voilà. Et puis, bah, sur le 2, bah... Bien sûr... Forteresse et puis Pré-Sequel, on en a eu qu'un, donc c'est pas compliqué. Je parlais vraiment tout border confondu. Ouais, ouais. Mais c'est un peu dommage que sur Pré-Sequel, on en a eu qu'un DLC. Bah, surtout qu'il était vraiment extraordinaire, ce DLC. Ouais, il était ouf, mais j'aurais pu en faire un... Je trouve que c'est dommage.
Alors, c'est génial, j'ai mon arme qui... Oula, oula, j'ai des rollbacks. Oula, j'ai eu un gros lag. Je voyais plus mon arme, c'est génial. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est parce que c'est normal, parce qu'il y a quelqu'un qui a rejoint. C'est pour ça que ça lague. Donc nous sommes 4. Oui, avec bienvenue à... qui est un de mes amis, d'ailleurs. Mon meilleur ami qui est là. Ah, oh là, c'est pas grave. Ah, il a quitté la partie. Il se dit, oh zut, zut. Oh mince, ma phase assez loquée. Et du coup, toi, ton DLC préféré? Mon DLC préféré, c'est pareil, c'est aussi... J'aurais une petite question. C'est aussi le DLC Tiny Tina. Attends, j'ai un légendaire, je sais pas où il est. C'est génial. En deuxième position, c'est justement le DLC Claptrap. J'ai surkiffé ce DLC, mais vraiment, genre, violemment, quoi. Avec l'apparition des armes buggées, c'était sympa. Ouais. Ah, j'avais surkiffé, j'en utilisais une tout le temps d'ailleurs. Entre autres, qui avait toutes les stats à fond. Et c'est incroyable, j'ai une arme légendaire qui est buggée. Qui vient de disparaître. Putain, oublié. Bah non, elle vient de disparaître. Tu joues en coopétition? Ouais, moi je joue chacun pour sa gueule. D'accord, donc je ne l'aurai jamais dans le bulletin oublié. C'était un lob. C'était le lob, je te dis. D'accord. Quand je joue en chacun sur loot, c'est quand je cherche une arme et que je joue avec quelqu'un, comme ça on a plus de chances de la loot. Ouais. On n'est pas obligé d'avoir le même loot. Ouais, toujours en coopération. Ah, les arcs électriques. Y'a plus personne là, ils sont où? En haut. Hey Manu, tu descends. Là. Hop, y'en a plus. Mais laissez-moi. Y'en a plus. Bien. Bah, attends, regarde, je suis là, je vais te raise. Besoin d'aide, là par contre. Ah bah il te raise, notre ami. Merci. Toby Belundir. Mundir. Mundir. Hop. Donc là c'est la dernière manche là. Ah non, il y en a 5. Ouais, il y a 5 rounds, ok. Il y en a 5. Oula, il va falloir se dépêcher alors. Sinon le petit il va louper son pas. Non, on va pas être contente. J'aurai pas de surprise ce soir, si c'est ça. Allez, c'est parti en mode rush. Ah, il est déjà 7h, n'empêche. Hein. Eh oui. Prochaine vague. Oh, le rollback encore. Quelqu'un qui va peut-être rejoindre alors. Parce que j'en ai eu un aussi, juste avant. Mais qu'est-ce que tu fais là? Il est bugué? Il y a un noc qui est bugué. Trop marrant. Ici là. Ah non, il est disparu. Pas beaucoup légendaire, je trouve. Hein. Ouais, pourtant, on est en Chaos 4. Hein. Ouais, on en a loot que 2 pour l'instant. Une, enfin, 0 pour pas grand chose. Ouais, moi, je ramasse rien. Hein. La plupart du temps, je ramasse que dalle. Putain, j'ai le temps de buter personne là. Ah, j'aurais pensé que c'était plus rapide que ça, Pourtant, j'en ai déjà fait des cercles de massacre. On est 4, on est 3. Hein. On est 3 avec 3 persos bien optimisés. Enfin, c'est pas moi, mais ça va. Il y a un mec en l'air. Il est où? Where are you? Tiens, allez. Boum, allez hop, ça dégage. Et ça dégage. J'aime tellement les envoyer dans les airs. Électrique.
à l'avoir mal. Pardon. Hop, et là. Oh, ils sont en bas. Le lag, je sais pas si vous avez vu, ceux qui regarderont là. C'est trop drôle, j'ai tiré toutes mes balles de Cutsman, elles sont parties toutes 4 secondes après, quoi. Il y en a mis bugué encore ici. C'est mignon. Allez, derrière moi. Ah, fini. Pas encore fini la manche. D'accord. Toujours pas. Ouais, y'en a encore un en haut là. En haut, en bas? Non, c'est en bas là. Bon, pour rappel, pour ceux qui regardent la vidéo, je suis sur PC bien évidemment. Mon stuff n'est pas encore hyper bien optimisé, mais ça se passe beaucoup mieux que la première vidéo que j'avais fait avec Black Raid. Ou en Chaos 0, on s'est quand même fait défoncer sur le Red Maliwa. Ouais, bah après, les Red Maliwa. Donc la prochaine fois. Que ça, je pense. Ça va avoiner, parce que je commence à avoir du bon stuff. Merci Fuji d'ailleurs pour le stuff que tu as filé. Je vais pouvoir enfin aller farmer des. Je ferme tellement que. Ah, mais moi aussi je ferme comme un porc, mais sur PS4. J'ai pas beaucoup encore de stuff sur PC. Donc. Ah, mais ils sont encore en boss, c'est ça. Oh, ce one shot que je lui ai mis. Attention, la dernière vague de ce round. Et hop, plus personne. Il y a plus personne. Si, ils sont en bas. Ils sont horribles en plus là, ils ont leur truc de. Regarde, un coup de récursion, y'a plus personne. Oui, mais t'as OS tout le monde et j'ai plus d'ennemis. Ah, j'arrive, mon ami. Enfin, quoi que, regarde, y'a Bilundir qui. Y'a Mundir qui. Merci. Qui est là pour nous. Voilà, c'est mieux. Non, il devait être bugué le récursion sur. Sur PS4, parce que j'ai bien vu qu'effectivement t'avais OS tous les ennemis. Merci pour le rollback. Et ce n'est pas modé. Non, c'est pas une question de ça. C'est une question que sur PS4, j'ai beau mettre une quasar pour rameuter tout le monde et que après, moi, c'est. La balle ne récolte pas. Bonus, c'est le bonus avec les balles aussi qui fait ça. Qui envoie les balles. Oh, enfin même! Ah, mais je tire sur. Je tire sur toi. Bon, de toute façon, il va falloir que je change d'arme parce que j'ai plus de balles de pomper. De peu pompe. Hop là. Ok, j'ai pas compris ce qui vient de se passer, mais bon. Tirer sur un ennemi, il s'est pris que dalle. C'est génial! Ouais, et c'est bien ce que je craignais, donc là, je peux pas utiliser le bonus de dégâts corps à corps. Ah, légendaire. C'est chelou. Ouais, j'ai vu. Tu me diras ce que c'est, avant qu'on nous le pique. Ah, mais moi j'utilise l'électrique sur un bob électrique. Bien, Fuji, un c'est rectifier. Bien. Un rectifier. Ouais, c'est pas ouf non plus. C'est bien en début de guerre, en début de perso. Mais il est pas hyper opti après, je trouve, effectivement. Ah, ils sont quand en bas. Ah, ils sont en bas. Oui, allez-y, défoncez mon bouclier. Comme ça, je vous dis. Merci d'être venu. Allez, un dernier round. Allez, le dernier round. Il dit de nouveau round. Dit rechargement en munitions. Allons nous faire le café avec ce cher Fuji. Tout à fait, nous allons faire ce café. Attends, deux minutes. Oui, pas de problème, moi je peux le dépenser, mais je suis en garde. Ça va, Thio ? Hop. Allez, mange du fromage. C'est pas moi qui le dis, c'est mon petit. C'est lui. C'est lui qui le dit. Bon, bah ça a l'air cool, écoute. Bim.
Allez, en avant pour le dernier round. Dernier round. Hop. C'est parti. Donc là, il y a du boss là après, hein, c'est ça? Ah bon? Ou pas? Je ne pense pas. Hein. Non, je ne pense pas, je crois pas. Hein. Bon, par contre, il y a beaucoup d'ennemis. Là. Wow, rien, ça ne fait pas peur ça, gars. Il faut quand même le nerf, hein, ces jours, le récursion. Non, 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 faut pas le nerf. Faut déjà qu'il fonctionne sur. Sur PS4, après on parle. Regarde ça avec la avec l'écrit banjo, toi, le café que ça fait. Oh, on dirait Geneviève. Yeah, boum 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 boum. J'y veux, j'avoue que là j'y veux Brainstormer, mon gars, parce que. Déjà ! Faites rentrer la vache suivante. Venez, allez, venez, bande d'enculus. Encore, ils sont en bas, mais... Ils ont même pas le temps de sortir, ils sont déjà morts. Ouh, il y a du monde là, il y a du monde là. Non, regardez, plus il y a de monde, plus il y a de monde, plus ça me va, moi. Faut le savoir, ça. Plus il y a de monde, plus ça me va. Légendaire. Légendaire. Eh oui. Allez, venez, 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 venez. Allez, légendaire. C'est ça les soi-disant boss, parce que ça c'est les boss que tu retrouves autour de Votan, ils sont nul à chier quoi. Non mais je croyais qu'il y avait un Transformers là, géant qui arrivait à la fin. Oh, il y a un Lineage qui est tombé. Et un Krakatoa. Bon, le Krakatoa... C'est un Krakatoa. Allez, on va sortir avec Cutsman, ce sera plus simple. Voilà. Hop, c'est moi qui l'ai tué. Ça dégage. Et ça dégage. Voilà, ils sont tous groupés là, c'est bon pour moi ça. C'est bon pour moi. Boom. Aussi. Légendaire. Moi, je tire sur un mec à un électrique. Un Krakatoa encore. Un Krakatoa. Zzz, et ça dégage. Ça change un peu hein, de faire du cercle bah de massacre. Ouais, c'est sympa. J'en avais un peu fait une petite pause de Maliwan, ça fait du bien. Grave. Ah, vous êtes pas bien. Sur la baliste. Si on la bute, ça va être bon. Voilà, c'est bon. Grâce à l'assistance au second souffle. Du monde, hein? Grave. C'est qui nous fait chier là-bas, là? Oh, un centurion ténébreux! Ah, ma phase, elle est qu'en partie. C'est lui qui nous emmerde, c'est lui que tu dis qui nous emmerde. Voilà. Voilà, hop, y'en a plus. Le mec il one-shot tout le monde. Us. Allez. Ah l'enfoiré, il est remonté. Allez. Il va mourir au DPS, c'est pas grave. Ouais, je l'ai eu au DPS. Allez, attention, on est presque au bout, on est presque au bout. Oh, par contre, mes balles de récursion, elles ont pris Bagdad, là. Il va m'en falloir. Bagdad.
D'accord, mais c'est des ennemis de merde. Légendaire. Légendaire. Légendaire doré. Ah. Ça joue à... le fameux jeu de cartes. Tout à fait. Tout à fait, Jean-Pierre. Je comprends pas ce que tu dis, petit. Légendaire doré. Mais je peux pas les voir, ça pop dans... Légendaire. Il y a du DPS, mon gars. Oh là là. Alors, qu'est-ce qu'on a looté? Il y a des chiens. Voilà, hop, ça dégage. Et ça dégage. On va y aller aux récursions, mon gars. On va défoncer tout le monde. Légendaire. Légendaire. Un exécuteur. Attends, j'AFK 2 secondes. Légendaire. J'AFK 2 secondes. Il y a le petit qui demande. Ah, tout, tout. He's here. Voilà, c'est bon. En train de ranimer le copain. Alors, qu'est-ce qu'on nous a? Un galon, un flaker, une devoted. Dernière vague! Finger in the nose. Oh oui, finger in the nose, easy même. Easy! Easy, t'as eu! Ah, c'est en dessous. Ouais, t'as eu, easy! Oh putain! J'ai vu te foncer dessus. On va te faire plaisir là. Ils sont tous là, mon gars. Oh, je vais m'éclater. Oh, on va se gaver. On va se gaver! Putain, on a défoncé tout le monde! Légendaire! J'ai même plus de son tellement qu'il y a... ça tire de partout. Je dis nope. Nope! Ah, moi je lag de ouf là. Je lag de ouf. Tu m'étonnes, mon récursion. Je fais ma phase, elle part. Par 3 heures plus tard. Le récursion plus la banjo, toi, ça fait. Ça fait des éclairs partout. Et je crois que je suis pas tout seul à jouer aux récursions du coup. Oh les rollbacks, putain, c'est horrible. Je vais mourir. Et là. Je suis là. Eh, t'inquiète. Ah bah, voilà. Enfin, je l'ai pris le parce que je l'ai pris le légendaire parce que vu que ça a coupé. Vu que je l'ai eu, j'ai me suis fait mon second souffle. Et que le mob il m'a lâché une leg, elle est pour moi. Légendaire. Ah non. C'est mort. J'ai cru que c'était. Oh, j'ai non cru que c'était. J'ai cru que c'était. La map, j'ai couru. J'ai couru comme un débile dans le vide. Bon, de toute façon. Est-ce que je peux vous regarder au moins? Oui, tu peux monter en haut. En je suis en PLS là. Je sais même pas comment on monte en haut. Si, t'as un ascenseur. Un ascenseur. Oh putain! Ah, je savais bien qu'il y avait un boss. Bien. Il est où? Attends, Mahmoul, il est où, copain? Il est où? Il va arriver, normalement, c'est un gros... Regarde, le v'là. C'est Bumblebee, de des Transformers. Il est en haut? Je vois... Bah, moi, je le vois, là. Ah, je lag! Ah, feu bleu! Mais... C'est lui, là? Ah, oula! Ah oui, c'est lui! Ça va aller. Bah écoute, s'il continue comme ça, c'est très bien, il bouge pas. Oula, 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 pas, oula, 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 j'ai rien dit. Je suis mort comme une merde. Allez, 20% de dégâts supplémentaires. Quel abruti, quand même. Quel abruti.
Oh, hey, je prends des dégâts même. Mais il bouge pas en fait, c'est dommage. Du coup, je peux mettre un abri. Il y en a un autre derrière vous, hein, je dis rien, mais bon. Il y a puits rouge derrière vous aussi. Ah bah écoute, ils me font rien donc du coup. Il y a feu bleu et il y a puits rouge. Bon, j'avoue, moi je me mets en mode trou de balle. Je suis dégoûté, j'aurais bien voulu les faire. Ah, en plus, je me suis vu tomber. Hein. J'ai couru comme un débile dans le vide et j'ai sauté. Suicide. Allez-y. Feu bleu est bientôt décédé. Je sais pas où est son critique en fait, c'est un peu chiant. Oh putain. Moi je dirais dans. Je dirais là où tire ses bouboules. Oh là 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 là. Ah, tu es oh tout non, seul. Je suis tout seul. Merde. Ah mais il me fait des dégâts lui, il me tire dessus d'ici et oh. Ah, ça va être la manche de toute façon. Juste dommage. Ah mais hey, oh oui. Je me fais... C'est pas fini mon gars, c'est pas fini. Ah même là où je prends des dégâts. Attends parce qu'il y a des ennemis encore là en plus. Et de 1, maintenant t'as plus qu'à faire puits rouge. Non, il y a encore des ennemis lambda qui sont là. Oh non. Oula. Non, okay. pas comme ça. Non, pas comme ça, c'est pas possible. Putain, je meurs à cause d'un connard de commando de mes couilles. Oh non, oh là là, le fail. Oh putain. On recommence pas le round. Ta gueule. Ah si, on recommence le round. Ben oui. Ah ouais, mais moi je ne peux plus là. Non, mais c'est facile en plus, mais... Ah là là, dommage. Je vous ferai en off si vous voulez le boss. On mettra en bonus à la fin. Ouais, moi je le ferai peut-être sur PS4 et je vous montrerai aussi. Plus tard. Mais bon, l'essentiel c'était que c'était une petite vidéo détente avec mon cher Fuji. Qui dure pas mal de temps. Hein. Bah ouais, mais écoute, c'est ça, c'est les petits lives. Hein. Vous avez rien à faire, y a rien à la télé. Vous... Et puis voilà quoi. Attends, je quitte pas. Ah, je quitte pas, je faisais signe comme ça. Je veux faire une tofu avec toi. Mets-toi à côté de moi. Je suis là. Pour la miniature. Voilà, regardez, je fais la miniature en live en plus. Magnifique. Voilà. C'est bon, j'ai fait tout ça. Bon, bah c'est pas grave, la prochaine fois on l'aura, hein, ce petit connard. Ouais, non, c'est de ma faute, là. J'ai sauté comme un débile dans le vide. tu verras quand tu regarderas mon point de vue. Franchement, j'ai couru, puis j'ai sauté comme un débile dans le vide. Je me suis rendu compte après que c'était le vide. Non. My bad. Bon, bah ça arrive, hein. Écoute, c'est pas grave. En tout cas, bah très sympa cette première petite collab. Alors, vite fait... Ce ne sera pas la dernière. Oui, ce ne sera pas la dernière, ça c'est clair. Parce que justement, on a quelques petites idées avec Fuji. On aimerait bien faire des petits débats, trucs comme ça, sur du stuff, à l'occasion, des formats un peu plus courts. Et où on donne nos avis sur certains trucs. Ah, je t'entends plus par contre, Fuji. C'est normal, je ne parle pas. Ah, ok. Et donc, du coup, bah voilà... On proposera d'autres petits trucs, peut-être d'autres vidéos détente aussi comme ça ou voilà. Hein, donc en tout cas, merci à tous de nous avoir suivis. Merci, je passe évidemment un grand bonjour à la Copji. Bisous les loulous et j'aime. Ce serait cool pour nous deux. Oui. Et pour ceux qui ne connaissent pas Pikatank, bien sûr. Dans la description, sa chaîne. Ce sera pareil pour Fuji. Vous pouvez aller aussi le trouver dans ma subbox. Bien évidemment. à l'occasion, on essaiera de rameuter Squall et Black et peut-être même d'autres collègues. Ça pourrait être bien. Mais voilà, en tout cas avec Fuji, on a plein d'idées déjà en duo pour le futur. Pour conquérir le monde.
Et voilà, comme je te l'ai déjà dit en off, ça me fait très plaisir de jouer avec toi et de te connaître. Et ben voilà, je sais pas si t'as quelque chose à rajouter. Moi non, moi je suis très sobre, moi. Bah moi aussi, je suis moi, très ça sobre. M'a fait ça m'a fait très plaisir aussi. Hein. Voilà. Je suis très ouvert hein, pour les gens qui ont peut-être peur de venir s'incruster dans mes parties. Non, faut pas hésiter, n'hésitez pas à m'ajouter. Je suis très ouvert, je vais pas vous manger. Hein. Oui, on va pas vous manger. Bon, sauf si vous avez juste modé, bien évidemment, mais on saura vite, de toute façon. Sur ce, on vous souhaite à tous du très bon. Oui. Bisous, bisous. Oui. Du très bon, portez-vous bien, partagez, likez, obéissez, comme je dis toujours. Tout, n'oubliez pas, la chose la plus importante au monde, est-ce que tu sais ce que c'est, Fuji? Ah, c'est Radou. Non. Faites le café, attends, je te fais un salut. Faites le café, oui, tout à fait. Merde, ah putain, il y a la dévotelle qui gêne, attends, je vais me mettre là. Voilà. Bonsoir, Total Radou, c'est pour dire bonjour. J'en sais rien, moi. Le mec, je lui apprends. Ah là là. Bon, allez, la bise. Salut. Salut, bisous, bisous. Les cimetières.